Vas-y, viens, on fait un métier. Ok, on choisit quoi? C'est chez nous ici maintenant. Ah. Mais je peux plus bouger, je sais pas ce que je fais. Vas-y, rentre, je vais nous cracher. Bah, la porte est ouverte, bah. Merci, monsieur, on n'y arrivait pas. Mais mon dieu, là, vous êtes bête ou quoi? Oula! Oh! Je suis dans la voiture de police, vas-y, je me tire avec! Je crois. Attends, je peux pas la faire démarrer! Oh! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je vous suis de très loin! De très près! Oh putain! Eh mais il frappe en plus! Aide-moi! Il est frappé de palace! Toi qui fais la petite pucelle là-bas. Yoï. Le pyro barbare est passé par là. Ouah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tabernec. Allez, on te plaît de café. Oh, il flotte. You are floating on the air. Yoï. Ah, mais je suis bugué maintenant dans le mur. Moi j'ai envie de faire du propre coucou. Bah ça c'est ce qui arrive. Aidez-moi. Mais attends, un piano là. Ils font du bruit à cause. Assieds-toi sur le cahier là. Oui, à cause de moi. Du bruit. Et l'autre con il chante là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Du bruit à cause de moi. Le caribou. Le caribou. Je te braque là. Avec un. Oh non. Position. Réponds-nous, mais. On dirait une mouette, oui. Expérience sociale sous les roues d'une voiture. Expérience qui peut tourner mal, hein, je précise. C'est parti où? C'est où là-bas? Oh, y'a une voiture, bonjour! Ah! Je suis par terre, je crois. Léo! S'il te plaît, tu. Eh, chauffard, t'es chauffard! Mais il me roule dessus encore, l'enculé! Monsieur le psychologue! Toc toc. Y'a quelqu'un? Pourquoi monsieur le psychologue? On cherche le problème. Ouais, mon frère, on a un problème. On cherche le psychologue. Bah venez. Ah, il nous emmène au psychologue, il faut le suivre, je crois. Bonjour. Asseyez-vous sur le fauteuil. Bonsoir. Asseyez-vous sur le fauteuil. Je peux pas m'asseoir, j'ai mal aux jambes quand je m'assois, moi, je peux pas. Moi j'ai un problème, j'ai un problème. Bah pourquoi? Je suis pas. On va voir le psy. Je suis pas psychologue, c'est il y a longtemps. Ah. Publicité mensongère. Et je demande remboursement, hein. Ouais, moi aussi. Publicité, c'est il y a 3 mois, monsieur. Publicité, il y a 3 mois, hein. Eh ben fallait pas en faire. On va chez le psychologue et encore ça tourne mal. Et toujours. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il dit, l'autre connard là? Il a un gun, je crois. Ouais, je crois aussi.
t'as des belles chaussettes. Moi, t'as des belles chaussettes. Putain, on dirait un pingouin de loin. Tout ça parce qu'il est noir et blanc. T'as combien de bouffe là en bas? Parce que moi, tu sais que je vais crever de faim. Vas-y, viens, on fait un métier. Ok, on choisit quoi? Y'a fermier, comme ça on pourra dire la ferme, hein. Ah bah oui, oui, moi j'élève les moutons, hein. Allez, vas-y, moi je suis un fermier, hein. C'est chez nous ici maintenant. Ah. Ah, dis donc, bah pour des fermiers, on a quand même une belle bagnole. C'est clair. Vas-y, j'arrive. Mais attends-moi! Mais il y a quelque chose à la voiture, mais tu me fais mal! Voilà. Oh, je conduis! Wouah! Comment on arrête? Putain, mais comment ça se pilote ce truc? T'es où? Y'a du monde? Non, non, mais non, tu me fais dessus! Merde! Attends, je sors de la voiture! Y'a quelqu'un? Parce que si y'a la voiture et la personne, moi je la prends. Bah, elle est à nous, on est des fermiers, écoute! On a le sens du goût! Merde. Ah, je peux pas passer comme ça. Aucun propriétaire, mec, on peut prendre cette baraque? Et je crois que je suis tellement gros que j'arrive, je peux pas courir. J'arrive pas à sprinter. Est-ce que c'est possible de demander à Justin Bridoux de se décaler? Non mais je peux plus bouger, je sais pas ce que j'ai fait. Mec, ton perso quand il se déplace. Non mais attends, je peux pas sprinter. Avec ce perso, je peux pas sprinter. C'est quoi ce bruit? On est dans un avion? Bah, j'ai ouvert la porte. Ah, mais je peux pas passer, je crois que je suis trop gros. Je peux pas passer, j'ai trop de mal. Mais je peux pas courir, regarde comment je suis. Oula. Oh putain. T'es rentré? Mais j'arrive. Je cours à ma vitesse maximale. Mais c'est bon. Bon, il me saoule, allez. Je cours à ma vitesse maximale. Oh, je suis dans la voiture. Je suis dans la voiture de police. Vas-y, je me tire. Je me tire avec. Suis-moi. Attends, je peux pas la faire démarrer, mais vu qu'elle est en pente, elle tombe un petit peu. Elle tombe plus là. Ah, je suis en vue. Oh putain, je vois ma gueule, mec. Ah ouais, mais ah oui, j'ai un peu pris trop de McDo, quoi. Hein. Ah, je crois que j'ai le truc. Voilà, j'ai ça, c'est pour faire l'essence, je crois. Enfin, et ça se met. Je trouve pas le trou. C'est où ça peut se mettre? Je dois être derrière. Je trouve pas le trou. Il est où le trou? Dans le fond d'échappement, okay. Mais c'est où? Vas-y, rentre, je vais nous cracher. Tu sais que j'ai plus de vie, hein, je vais mourir. T'as combien de vie? Je sais pas, 72. J'ai 15. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Mais t'es où? J'ai mouru. Ah merde. Vous êtes cassé la jambe. Ok, donc maintenant on est distilleur d'alcool, quoi. Ouais, mais du coup, viens, on va dans notre bâtiment de travail. Je suis bloqué par un poteau, regarde comment c'est plein. Waouh. C'est magnifique. Putain, t'as une tête, c'est... marqué par l'alcool. Bah, c'est surtout que t'as l'air dépressif, quoi. Oula, oula, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ouais, tu vas te calmer, hein. J'ai plus d'alcool. Eh ben attends, calmez-vous, monsieur. Monsieur, que faites-vous? Monsieur. J'ai soif. Security, quoi. Je sais pas ce qui sécurise, bon, mais... est-ce qu'on va trouver un métier bien ou pas? J'ai l'impression qu'ils sont tous pourris sur ce jeu. Oh, mais dites-moi, c'est que vous êtes séduisante, madame. Donc la sortie de l'hôpital, c'est par le garage, très bien. Bah non, ça marche pas. Vodka, vodka, vodka. Vodka, vodka, vodka. Bah la porte est ouverte, bah... merci, monsieur, on n'y arrivait pas. Mais mon dieu, là, vous êtes bête ou quoi? Il a dit qu'on comment était bête. Comment? Ah, pas chier d'ambulance. Ouais, bah pourquoi pas. Oh, allez, sa mère, il a fait pop le camion. Oh, et le beau camion. Eh, hey, tu nous le prêtes? Tu peux nous le prêter, s'il te plaît? Bah, prends-en. Mais c'est celui-là que je veux. Je vous suis de très loin, de très près. Oh putain.
Vous savez que ça a pas trop l'air de marcher. Ok. C'est toi que j'ai touché ou c'est lui? Non, c'est lui, je crois. Il est là. Oh, oh ce que je lui ai mis. Il est là. Je sais même pas comment faire. Mais regarde, je te soigne. Ah, il m'a pété. Oh non. Mais ça lui apprendra à aller. Non, je peux pas. Est-ce qu'avec votre gueule non, de merde, est-ce que c'est possible qu'avec votre gueule, vous pouviez dégager de là parce que vous êtes vraiment moche et ça me fait mal aux yeux, quoi. Voilà. Ferme ta gueule, cache-toi, connard. Mais il frappe en plus. Et moi, il est frappé de balles. Connard. On va partir en patrouille. Oh, bonjour. Oh, un voyeur. Mais comment tu l'as garé, mec? Il vole le camion. T'as garé ça sur un banc. Au moins, les chères personnes viendront lui voler. Je paye le parkmètre. Ah, retour, McDo. Mec, tu m'as écrasé! Bonjour, je voudrais un Big Mac! Oh putain, on dirait Léo le mec! Je prends un script! Monsieur, ça fera 200 euros! Ouais, j'ai pris un script! Okay. 200 euros! Eh, 200 euros, c'est un peu de l'arnaque, faut pas se foutre de notre gueule! Ah, voilà mon collègue! Bonsoir, voilà mon monsieur! Collègue. Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi tout! J'ai perdu ma famille, j'ai plus d'argent, j'ai perdu mon métier, j'ai plus rien. Ah bah c'est bien, c'est un nouveau départ du coup, c'est tant mieux. C'est que des bons côtés que vous avez là. Bah non, j'ai plus d'argent, je peux plus me nourrir, j'ai plus rien. Vous avez vu, monsieur le policier, tout le monde m'a fait à mourir. C'est faux. Il faut savoir qu'avant tout, dans votre désespoir, il y a avant tout du bonheur. Réfléchissez bien aux bonnes choses qui vous sont arrivées dans ce désespoir. Le mec il est en train de lire Wikipédia. Sinon, on vous donne de l'argent et c'est bon. Monsieur, descendez. Un petit McDo. Vous me donnerez $400, je mangerai 3 jours et après. Petit McDo. Bah après, faut se débrouiller, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, faut se bouger le cul, faut trouver du boulot. Hein. Un petit menu golden. Ah, c'est bien, vous avez fait le bon choix. Une sage décision, merci beaucoup. Allez, on va se manger un petit McDo tous ensemble. Ouais, bon, nous on a une autre affaire là. Oh putain, elle a le skin de Lara Croft, elle a des boules qui bougent, eh. Oh. Bonjour. Vous avez besoin de soins? Ouais, j'ai besoin de couilles. Quoi? J'ai toi, vous voyez pas? Je dois. C'est compliqué ça. Elle a de ses boules, mec, t'as vu, ça bouge tout seul. Et madame, si je peux me permettre, Eh ben oui, hein. Parce que ça balote un peu. C'est pour attirer la jante masculine. Vous êtes bien mieux, collègue à côté. Vas-y, attends-moi là. Je t'ai trompé. Excusez-moi, madame. Tu connais pas, Jacques, par hasard. What? Au revoir! Ah, c'est dommage parce que vous auriez pu intégrer le corps des fonds. Bon, mais bonne journée! Au revoir! Ah bah là, c'est plus trop au revoir là! Attendez, est-ce que vous pouvez m'aider, monsieur l'hôpitalier là, les couilles? Bah, je vous ai soigné là! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Lui. Ah, il est mort! Ah, ça y est! Ah! Le monsieur il a dû avoir un client mécontent! Oh ah, regardez sa gueule!